C'est la centrale. Et on est au bon endroit alors. Salut mec. Super pratique ça. Ah oui. Nous allons capturer Elector. Retourner sur Joto et grimper ce mur là. Ah, c'est ta escalade. Tu peux grimper le mur ici et retourner à Joto. Tu peux même atteindre Galar. Eh oui, Galar. Galar la belle. Galar la magnifique. Vous imaginez le truc de ouf, genre il y a un easter egg. Dans Pokémon Crystal, tu peux atteindre Galar. Oh là, ça serait le plus gros mind fuck de toute l'histoire de l'humanité. Il devrait faire ça en vrai. Il devrait faire un truc comme ça. Genre là, par exemple, dans Galar, ils te foutent un putain de truc, genre... ils te foutent une région, mais genre inaccessible. Tu vois ? Inaccessible et tout. Et genre... dans 10 ans, ils te sortent un jeu, t'as une nouvelle région, et en fait, il y a quelqu'un qui découvre un glitch dans le jeu d'aujourd'hui. Bon, ça n'a aucun sens. J'ai rien dit, oubliez. Alors, mais ça a changé la centrale. Mais ça a changé la centrale, dis donc. As-tu un trio piqueur contre un magnéton? Non. Bah, la centrale, elle s'est embourgeoisée, hein. Le patron de la centrale est plus loin. Attention, il est furax. Et puis quelqu'un a bousillé son joli générateur. Je ne saurais pas si le nouveau générateur ne fonctionne pas. Salut mec, c'est toi le patron? Patron, je vais exploser. Faut que je me défoule. Qui a cassé mon générateur? Qui? Les mettant comme mon bébé, si j'attrape cette crapule, on aura droit à un coup de télécanon. Hein? Hein? Les gars? J'ai pas tout compris là. Ah. On raconte des trucs à Azuria. Un drôle de type rod dans les environs, c'est flippant. Tu veux bien m'aider? Bien sûr, tu demandes l'aide à un inconnu. Azuria, Azuria. Ouais, en fait, c'est vraiment le rush. Hein. Aïe. C'est vraiment le rush. Hein. On te fait enchaîner les villes à une vitesse folle. Je n'ai jamais vu ça de mémoire. Toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. J'ai pas lu, désolé. Et ne sois pas désolé. Azuria, c'est à l'ouest, c'est ça? Oh, Poissy-Poissy-Poissy-Reine. Poissy-Poissy-Poissy-Reine. Alors, Azuria. Ah, la conne. Paul Floravol Rakam Rakam attaque force, soulève des pavés et caillasse les CRS.
Tu viens de la grotte? Ah non, tu veux aller à la grotte. Ok, Jeannot, à quoi couac. Oh, pas mal le design. Pas mal. Pas mal, pas mal. Faudra juste m'expliquer comment un canard jaune peut devenir un canard bleu. On dirait un poisson rouge devient un Léviathan bleu, mais bon. Suis qu'une montre au niveau 55. Alors peut-être donner le multi-ex à quelqu'un d'autre, hein. Je sais pas, je dis ça. C'est juste une propale que je dépose ici, quoi. Voilà, après. Comme on veut, hein. Obligé. Hein. Un jour, on fait un remake, les gars. Faudrait penser aussi à augmenter le niveau des Pokémon. Hein, parce que faire une ligue. Niveau 55 et une région niveau 30 juste après. Bon, je comprends pas trop le pourquoi du comment en fait. Jeannot a perdu. Et ouais mon pote Jeannot. Et donc cette diablerie. Route 9, Azuria Grotte. Oh fuck that shit. Holy shit. Claude. Claude. Vous voyez, vous êtes tous morts dans le chat. Triste. C'est triste. Tartare. Un bon steak tartare. Ah oui, ça ne m'affecte pas. Mais bien sûr, mon ami. Je suis trop haut pour ça. Le coup critoche. Qui fait zizir. J'ai mangé tellement léger ce soir que j'ai faim. J'ai encore faim. Manger une petite salade toute légère. C'est dur la vie d'artiste. Hein. Allez, qui êtes-vous? Un ratatac, un ratanas. Enfoiré le ratanas. Oh, on va pouvoir faire évoluer Orchid. Lego. On va faire évoluer Orchid. Oh, le pont pépite. Let's go, le pont pépite. Il n'y a plus personne sur le pont pépite. C'est triste. C'est triste. Je me rappelais qu'il y avait une potion ici. Souvenir vieux de 20 ans, les gars. On va pouvoir faire évoluer notre copain, notre super pote.
Pas hasard s'il a un mystère celui-là. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Benoît. Le pompépide vide quand même. Il est vide, mais à côté, il y a la même merde, en fait. Il y a 20 dresseurs alignés. Pourquoi ne pas les avoir mis sur le pompépide? Oui, on voulait pas faire le même jeu. Je veux dire, au bout d'un moment... je remontais les bouillants, je sais pas pourquoi. Aïe aïe aïe, Aria va exploser. Aria va exploser. Eh, hey, mets-le dans le frigo. Grambule. Non mais parlons peu, parlons vrai. Snubule et Grambule. On les a jamais revus. Où sont-ils passés? Pourquoi on les a rangés au placard? J'ai l'impression que je les ai jamais revus en fait. Ça m'intrigue depuis le début de cette aventure. Eh, est-ce qu'on ferait pas le glitch pour avoir Mew? Je suis le numéro 3, tu vas en baver. Ah mais en fait c'est le pompépite, mais à côté du pompépite. D'accord. Moi je veux juste aller voir Léo en fait. Est-ce que c'est possible ou... ou on n'a pas le droit, tout simplement. Je ne sais pas. Bon, ils ont que des Pokémon plantes. Moi, je force avec mon dragon, là. Mon dragon rouge aux yeux noirs. Heureusement, il a un peu 1000 niveaux d'avance. Ortide, c'est ton moment. À toi de briller avant d'évoluer. De coupe dans les dents, derrière la nuque. Et ça dégage. Ok, Joël. Mais gros, ils vont me sauter dessus à deux, là. À deux. Mais c'est le pompépite 2.0. C'est honteux. Ortier. Il est moche, en fait. Enfin, il a un bon design, mais... mais c'est quand même particulier, quoi. On va pas se mentir. La bave au bord des lèvres. Le chat est mort. Heure du décès prononcée, minuit 52. Salut mon pote. Salut mon pote. J'aurais pu vivre encore un peu le chat. Salut mon pote. Grave, hein, je retiens. Hein. Je retiens quand même pas trop. Le titre du live, il s'est toujours pas actualisé. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah si, c'est bon. Faut juste refresh. Bon, l'autre il va nous sauter dessus.
Cherche une solution pour Internet. Ah, j'avoue que là. Le truc, c'est que je vois même pas ce que tu pourrais faire, quoi. À part changer d'opérateur. Essaye de faire un test, genre des groupes tests ou je sais pas quoi. Comme ça, tu vas voir ce qu'ils te proposent en fait. Peut-être que tu peux avoir une meilleure connexion ailleurs, tu vois. Rien d'essayer, hein. Parce que là, actuellement, à part essayer de redémarrer ta box, mais j'imagine que t'as déjà dû le faire 50 000 fois, je vois pas trop ce que tu peux faire. Allez, Stéphane le Campouze. Retourne sur code. Aïe, 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 aïe. Eh, mais c'est pire que le pompe pépite, là. Tout ça pour aller voir Léo. Arras. Moi, je continue à forcer avec mon putain de Léviator. Force, hein, jusqu'au bout. Hein. Force avec force. Un dégroupe test. Y'a pas d'excuse. T'as pas fait ton boulot de modérateur. Au bûcher! Au bûcher! Ouais, un dégroupe test. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voir à quel... Bah en fait, tu tapes ça sur Google et ça va t'envoyer vers des sites qui vont tester, qui vont te demander ton adresse. Et selon ton adresse, en fait, ça va te proposer selon les opérateurs. Enfin, ça va te proposer une liste d'opérateurs. Orange, Bouygues, Free, etc. Et la connexion que tu peux avoir chez eux. Par exemple, ils vont te dire chez Free, t'as 10 mégas, chez SFR, t'as la fibre, et chez Orange, t'as... Voilà, tu vois. Ce genre de truc. Ils vont te dire, par rapport à ton adresse, à quoi ta ligne elle peut être raccordée. À quel opérateur et quel type de connexion. Pareil, ton immeuble est raccordé à la fibre. Et tu ne le sais pas. Et t'es chez Free, qui Free ne propose pas la fibre dans ton immeuble. Peut-être que Orange la propose, tu vois. Ou peut-être que SFR propose du VDSL, tu vois, ou j'en sais rien. On ne sait pas. On ne sait pas tout ça. Là, j'ai même pas un méga. Ah ouais. Ah ouais. Là, t'es dans un monde parallèle, là. Oh. Aïe, les aïeux. Vous pensez qu'on peut le finir aujourd'hui, le jeu? Ouais, si on pousse jusqu'à 3h30, mais... Ah, je fais les questions et les réponses, hein, parce que bon... Alors que dans l'autre, j'avais 15 mégas. Ouais, c'est honteux, quand même. Je pense qu'on le finira demain. Le master qui met de la bonne volonté. Yori croit que je fais des podcasts audio. Aria, son téléphone, il a peut-être explosé à l'heure où on parle. Allez, je t'ai feinté, mon pote. Salut, mon pote. Ah oui, mon pote. Protein. It's like cocaine. Léo, mon super zinc. Quoi? Je connais Léo, c'est mon petit-fils. Il est à Johto, il s'occupe des PC. Alors moi, je m'occupe de la maison. Là, ce Pokémon, tu peux me le montrer? Non. Attends, il faut lui montrer un excellent pour avoir la pierre. Ah, j'ai envie de crever, là. On a fait tout ça pour rien.
On a combattu 1 milliard de dresseurs. On le trouve où ce fils de pointu là d'Exelang? Exelang route 44. Ouh, ça me paraît bien loin tout ça. Je pense que là, on n'y est pas. Route 44. Ah, on n'est pas dans le bon continent là, hein, clairement. Hein. Bon bah écoutez. Écoutez. Ortide. Ortide restera Ortide, hein. Attends, il faut lui montrer un excellent pour. Je viens de faire un dégroupe test MDR. Ah, pas bon le MDR. Ah, ils ont enfin réparé leur baraque, eux. Des voleurs nous ont déjà volé. Est-ce ceux qui donnaient le bulle bizarre? Donne-moi un bulle bizarre, s'il te plaît. Ah, ils veulent plus. Ils en ont donné un il y a 3 ans. Ils ont dit on n'est pas la SPA non plus, calme-toi. Les opérateurs proposent 10 mégas. Ah ouais, rip. C'est la réponse, hein. C'est la réponse. Donc faut que t'appelles Free et que tu leur demandes quel est le phoque. Toi t'as une co aussi dégueu. Oh le Ramolos, qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi on ne propose que du 10 mégas. Moi je peux te dire pourquoi. Je peux même te dire pourquoi t'as que 1 méga. Par contre, faut que tu sois prêt à. Logiquement, ça peut être dur. Tu veux entendre pourquoi? Parce que tu supportes le Real, tout ça. C'est tout. Parce que t'as critiqué Lionel Messi. Lionel Diego Maradona Messi. Voilà. Ah, c'était gratuit, c'était facile, c'était. C'était nul. Ok, d'accord. je sais. C'est... Toutes les maisons sont fermées, on se croirait dans DayZ, c'est honteux. Ah, je peux plus rien porter? Eh ben, je vais vendre les protéines et toute cette merde. Toute cette merde, t'entends? Le fer et tout ce bullshit, t'entends? Je vais acheter 2 super repousses. Ariel est jamais revenu, vous croyez que son téléphone il a explosé? Oh. Ah. Azuria, Ondine, est-elle toujours la maître? La maître d'arène. Oh! Ma vue, c'est pas bon ça. Que tu m'as vu, allez adieu, adieu. Ok. Et y a pas Ondine. Il a enlevé Ondine. Oh là là, ça sent pas bon cette histoire, hein, je vous le dis. On va retourner à la centrale. Je pense que c'est la chose à faire. Je pense que c'est comme ceci. On dit là en train de se faire pécho. Là il est en train de se faire carton. C'était pas là? Ah.
Wait. Mon cerveau bug là. Mon cerveau bug. Mon cerveau erreur 404 là. D'où la centrale? Mais j'ai un bug de cerveau là. J'ai le cerveau lent là. C'était là, c'était à droite d'Azuria. Donc il fallait vraiment passer la grotte. C'est la grotte en vrai. Pourtant, il y a un centre Pokémon, on l'a visité, non? Ah oui, on l'a visité, pourquoi on peut pas s'y TP? Se TP que dans les villes? Mais pourtant que peu importe, tant que c'était un centre Pokémon, on pouvait y aller. Je comprends un peu ce qui se passe. Je comprends un peu ce qui se passe. Pokémon. Il est où le Dirlo? Je vais me le faire, même s'il me le faire. Mais gros, mais qu'il faut faire quoi là? Ah, il y a un pain là, il y a un pain. Gros, c'est bon, j'ai enquêté. Mais je l'ai vu, le mec. Oh là là, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Eh, allez vous faire enculer. Bon, Kanto. Ah, faut pas se foutre de ma gueule 107 ans. Hein, au bout d'un moment, ça suffit. De Safrania à Celadopoal. Du coup. Onf, Lex, c'est une impasse. Et. Oh, Pikachu. Ah non. Ah non, on affronte un mec qui a 6 Pikachu sur la route 13. Parmani. Ah, j'ai pas fait Parmani. Ok, ils me disent de faire route 14, route 15 et Parmani. Eh ben, allons-y. Allons à Parmani. On l'a pas fait Parmani. C'est où Parmani? D'après mes calculs, si mes souvenirs sont bons, Parmani se trouve à l'ouest. Pas du tout. Au sud de Celadopoal. Qu'on va se TP à... Est-ce qu'on va y avoir... On va pouvoir y accéder. Ah oui, depuis Carmin-sur-Mer. Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Carmin-sur-Mer.
Bonne nuit, mec. Merci d'être passé. La bise. Alors. Allore. Ah oui, mais hé, il y a Ronflex. Il y a le Ronflex. Il y a le Ronflex. Comment on passe le Ronflex? S de Safrania, Lavanville, route 12. Lavanville, route 12. Carte. Lavanville. Ok, il faut passer par le sud de Lavanville. D'accord. D'accord. Par le sud. Eh ben, c'est parti. Ah ben oui. La zone de pioche. Du gros ours. Il veut du gros ours. Et ici, il n'y a plus le ronflex de l'époque. Le ronflex de l'époque. Me donne une canne, toi? Est-ce que je donne des cannes à tout le monde tous les 3 ans? J'aime la pêche, j'ai raison, bien sûr. Alors, est-ce que la canne à pêche est buggée? Quand même une info à prendre à considération. Ok, non, c'est bon. Le bug est résolu. Vous avez plaisir. Vous avez quand même plaisir. Oh, cet objet était déjà là à l'époque. Ah non, c'était un dresseur qu'il y avait là. Non, il y avait un objet et un dresseur, je crois. En fait, je sais plus. Calcium. Mais je m'en fous du calcium. Ah ouais, là, il y avait des dresseurs trop forts à l'ancienne. Eh oui, c'était déjà là, les deux. Oh là là, ils passent. C'est leur spot. Ils se mettent là. Ils attendent des... Mec, ouais, c'est ça. Pouvoir jouer méta. C'est pas mal, on va pouvoir jouer méta. C'est cool. J'attendais que ça pour faire des combats PvP. Oh non, me dis pas que je suis tombé sur le mec aussi, Pikachu. Je suis tombé sur un mec. Oh non, c'est une blague. Je tombe sur un mec. C'est l'homme aussi, Pikachu. Oh là là, le combat, le pire combat du siècle. Voilà, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Je suis tombé sur l'homme aussi, Pikachu. C'est honteux. Il est où mon téléphone? J'ai un snap. Insupportable. Pourquoi tu fais une team comme ça? À quelle heure tu te dis je vais me faire une team comme ça?
shiny. Un projet. C'est notre projet. Oh là là, j'ai cru. Avec Négapi, il cherche vraiment Négapi. C'est pas un prank. On sait que c'est un prank. Oui, mec. Posipi Négapi, j'avais bien aimé. Ouais. J'ai jamais pris dans ma team, mais j'avais bien aimé. Le problème, c'est que depuis, bah, il y a eu Mimiki, il y a eu. Le Pokémon de l'autre là, comment il s'appelle cette chouin? Ta waifu là. Il y a trop eu de. De sous Pikachu. Il y en a un par gen. Ça rend fou. Ça va. Ah. Comment ça fatigue le type? Ouais, je pourrais jusqu'à 2 heures, pas plus. On va tenir cet engagement qu'on a fait aux Français. Enfin, Morpeko. Pire mec ever, lui. Casse les dents. Saoulé, lui. 1000 Pokémon. J'aurais pu lui passer dans le... Ah non, je pouvais pas lui passer dans le... Non! Ah, s'il a 6 Pikachu, je crève. Vraiment stylé, animation de lance-flamme. Non, mais genre, Aria, elle est jamais revenue. Regarde. Je sais pas si on l'a déjà vu depuis. Sol. Non, mais j'y pense, ça va être galère pour capturer Raikou et Entei. Je sais pas comment on va faire. Hein. Parce que pour les croiser, c'est full chat. C'est dans les hautes herbes. Ça va nous prendre des heures. Il nous les faut. Hein. Sachant que là, on n'a pas encore capturé Lugia et Ho-Oh. Et que les deux sont dans le jeu. Mais arrête, pourquoi tu t'avances, gros?
Oh, j'ai envie de crever là. Heureusement, j'ai des pims. Un jour, non? S'amuse. C'est le fun. Alors, on foule vers le bas. 14. Ah, c'était ici qu'il y avait les putains de dresseurs de Pokémon de type vol. Il y avait des Pokémon, laisse tomber. Ils avaient 10 niveaux de plus que moi. Oh, j'en avais chié. Et déjà à l'époque, j'en avais chié. Oh la conne, j'étais pile sur sa ligne, c'est incroyable. Honteux. Honteux. Cap humain. Ça s'appelle vraiment Josiane. Ouah, trop stylé. Stylé. Allez Jojo, c'est fini pour toi. Mais je suis un connard fini. Je serais mieux allongé dans mon lit sur ma 3DS, hein, je vous le dis. Avec un petit live en fond.
Demon John, je me levais, je jouais. J'allais manger. Je mettais des vidéos YouTube. Des lives, je jouais. J'allais me caler au lit, je jouais. Je mettais un live. J'allais me coucher. En 2 heures, en 3 jours. Je suis obligé d'attendre le soir. Truc. Obligé de parler, de rester assis, d'éviter de m'affaler plus que de raison. Rien en fait. Pour 3 viewers, rien. Je n'ai pas dit ça. Pour pas grand chose. Pour 3 viewers et un record. Posterai jamais, tu vois. Posterai dans 8 ans. Envie de crever. Ah ouais, il a démissionné le mec à qui manquait une chico dans la version jeune. Ok, d'accord. Ok, mon pote. Pokédex. Ta vie. Pépé est chez mon frère Léo au Cap d'Azuria. Ben ouais, mais ton pépé il veut pas me donner la pierre plante. Il pète les couilles. Ah oui, la fameuse arène au mur invisible mais qu'on voit sur le sol. On va m'expliquer aussi un jour. Je crois que j'ai pas tout pigé. Attends, j'ai esquivé tout le monde là? Mais elle est où la championne? Ah, Fola, putain. Je crois que j'ai esquivé tout le monde en fait. Pourtant, il me semblait moi que sur Game Boy, les murs étaient vraiment invisibles. Alors j'étais vraiment teubé, mais... Putain, demain je voulais me commander un truc à bouffer, mais... Si quand je vais sortir du dentiste, je vais... Alors demain... J'espère... Mais pourquoi j'ai changé? J'espère que, en fait, à l'heure du stream, bah, j'aurai plus mal en fait. Bah, je sais pas ce qu'on va me faire, mais genre, si on m'endort la bouche et que je peux pas parler à 21h, bon, logiquement, au bout d'une heure, ça s'estompe. Je suis un forceur. Si ça s'estompe et que j'ai mal et que je peux pas live. Si je voulais me commander à bouffer, je vais même pas pouvoir, putain, ça. Énervé. Au moins quand j'avais mal, je me disais vas-y, faut que j'y aille, j'ai trop mal, j'ai envie de crever, j'ai envie de me casser la tête contre le mur. Vivement que j'ai mon rendez-vous. Maintenant que j'ai plus mal, j'ai pas envie d'y aller. N recherche le nombre de fois que je l'ai combattu. Comment ça? On voit un truc.
Ah oui, putain, mais je l'ai... pourquoi je l'ai pas entendu dans le... Oh ouais. Il en faut bien du courage. Bon, elle est où cette conne? C'est toi? Allez, let's go! Janine Ninja! Nostanfir. Alors, Jean-Michel l'a dit tout à l'heure là sur le stream, il m'a saoulé. Est-ce que t'as la version originale du jeu? Bah oui, connard. J'étais Gabi Swag. On parle. Mais je vois qu'il y a... que t'as utilisé un glitch. Ça me paraît pas très lésite tout ça. C'est bien que t'as pas fait attention à lui. J'ai demandé 4 fois de changer le titre du live à ce moment-là. Connard. Pédale. Tous des pédales. Ouais, mais c'est pas toi qui décide, ta gueule. Techniquement, c'est moi qui décide. Et mon live, t'as l'épée. Je te demande de faire quelque chose, tu le fais pas. Plus d'épée. Et voilà. Eh oui. Puisque l'épée sert à ça. Maintenant. Eh, c'est la dictature. Si le rap était un pays, je serais son dictateur. Dictateur. Donc la section d'assaut avait proposé quelque chose. Putain, il propose plus rien maintenant. Bon, ben on l'a soulevé. La petite ninja là. T'as pas fait un pli. Tu as du talent toi, tu as gagné. Prends ce badge. Il n'y a pas d'endroit pour voir son badge là. Pour voir ses badges. Parce que ça me met que Johto en fait, j'ai l'impression, alors que je suis à Kanto. Logiquement, dans mes souvenirs, ça switchait de carte. Dans mes souvenirs, ça switchait. Et là, ça switchait. Pas du tout, hein. Voilà, faut tenir le compte, hein. Rac, bim, 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 bim. Ok, Parmani, c'est lavé, c'est rincé. Il doit nous en rester combien, là? 4. On n'a pas fait... quoi dans le... Ah, ça c'est le... Putain, mais tous les bâtiments sont déserts. En fait, je me rends compte avec le recul que... Que ce jeu est flemmard. Hein. Il y a plein de bâtiments, les portes sont fermées. Il y a plein de bâtiments, les portes sont... Les endroits sont vides. À Kanto. À Johto, le travail est bien fait, mais à Kanto... Et puis, c'est vachement rocher. Tenir sur la cartouche d'un emo. Sur une cartouche d'un emo.
Dis quoi, toi, madame? Ah oui! Eh oui, c'est vrai! Le truc qui avait fait scandale à l'époque. Ah, ça, je m'en rappelle très bien, par contre. Ça avait fait scandale dans les tests sur les magazines. Et nous, dans la cour de récré, c'était le parc Safari. Le parc Safari, il est fermé. Et en fait, c'était par rapport au, ben justement à toutes ces histoires de limitation. Et nous, on était là, mais c'est honteux. Pourquoi ils ont fermé le parc Safari? Ils avaient juste à le remettre, à le copier-coller. Ananana, enini, enununu. Ben non, à Johto, il n'y a pas de parc Safari. Il n'y a que le parc à insectes. Avec les events, etc. etc. Mais il n'y a pas de parc Safari là. Il est dans quelle ville? Du coup, voilà, la ville, il y a une arène et il n'y a rien d'autre en fait. Genre la ville est. Même là, genre il y avait des Pokémon là en. À gauche du rivière. Là, il y avait des Pokémon ici. Genre il y avait. Il y avait des enclos. Ben là, il n'y a plus d'enclos. Genre ici, il y avait un Otaria. Un jeté, utiliser les poubelles. Avant, c'était un panneau, il y avait écrit Otaria, je sais pas quoi. Bon, ok. Du coup, à partir de là. Parmani. Janine. Maintenant, quitter la ville par l'ouest, la sortie vers le sud est bloquée. Ok. Here we go. Quittons la ville par l'ouest. Nord-ouest, le sud. Antérieurement ou ultérieurement? Notre phrase préférée sur MW3. Vas-y, c'est un labyrinthe cette ville aussi là. Dire, voilà, prêt, je sais pas. Mais gros, par où on sort, gros? À l'ouest de quoi? Zone 2. Zone 2. Allez, on est parti. On est parti, mes loulous. Mes petits crumbles. En fait, la deuxième partie est clairement beaucoup moins intéressante parce que tu roules sur le jeu, quoi. C'était tellement pas comme ça dans mes souvenirs de gamin qui a acheté deux fois la cartouche parce qu'on l'avait volée une première fois. C'est grave, RDV à la boxe mercredi. Pourquoi t'as rendez-vous? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Ah, mais moi, gros, demain je vais être comme ça. Ah! Pas que le stress est présent. Moi qui ai pris RDV. Toi t'as pris RDV. Ou 18, Zadopol Parmani. C'est vrai que c'est vraiment bien qu'ils aient foutu ces panneaux parce que dans la version, dans la 1G, il n'y avait pas de panneaux justement, ça fait partie des nouveautés.